Salut. Aujourd'hui, on met les quatre murs en place, on les fixe à la lisse basse et on les boulonne entre eux. C'est parti. On commence tout d'abord par faire un peu de place sur la dalle. Et c'est parti pour la mise en place des murs latéraux. Comme vous pouvez le voir, ça commence assez mal, le mur n'est pas dans le bon sens. Mine de rien, c'est pas si léger. Voici le premier mur à sa place et on sécurise avec un serre-joint. C'est parti pour faire la même chose avec le deuxième mur latéral. À présent, c'est au tour du mur de devant et on commence par la partie la plus légère. Et à présent, on peut s'attaquer à la dernière partie qui est vraiment très lourde avec le linteau. Des serre-joints partout, et voilà le résultat. À présent, on va boulonner les quatre murs ensemble. Si vous vous souvenez, lors du montage des murs, j'avais créé des caissons. Grâce à ces caissons, il est plus facile de boulonner les murs latéraux et les murs de devant et de l'arrière. Pour les boulons, c'est du diamètre 10, 100 mm de long et une rondelle. On va mettre 4 boulons sur la hauteur du mur de l'arrière. Ça ira mieux avec celle-là. On fait pareil pour boulonner le mur de devant avec 6 boulons sur toute la hauteur. Rebelote pour l'autre coin. Also misery, it's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we
À présent, on va fixer la structure à la lisse basse. Cette fois-ci, j'utilise des tire-fonds de 8x80 avec une rondelle. Dernière chose à faire, boulonner les deux parties du mur de devant. Comme pour le mur de derrière, j'utilise de la tige filetée, deux rondelles et deux écrous. Il faut avouer que sous cette bâche, la chaleur monte rapidement. Voilà une bonne chose de faite.